Les formations. Sujet à controverse. Certains sont pour, d'autres sont contre. Personnellement, les formations m'ont apporté beaucoup et tu vas le comprendre en regardant les prochaines vidéos. Je vais te parler ici des formations que j'ai suivies moi-même en te disant ce qu'elles m'ont apporté ou non. Ce sera vraiment mon avis personnel. Sur Internet, tu as possibilité de trouver des formations payantes et d'autres gratuites. Tout va dépendre des moyens que tu vas avoir à mettre dedans et de la volonté que tu de ce que tu veux en faire par la suite. Alors bien sûr, les formations ne sont pas obligatoires pour faire l'instruction en famille. Toutes les informations, tu peux les trouver sur Internet. Ces gens-là n'ont rien inventé. Toutefois, de faire une formation, cela permet d'avoir un gain de temps puisque tu n'as pas à chercher les informations partout. Et également, ça te permet de suivre un fil conducteur. Tu as l'ordre chronologique de chaque étape, du début jusqu'à la fin. Ça te permet de profiter de l'expérience de quelqu'un et d'éviter de passer par les erreurs par lesquelles elle est passée, et donc, encore une fois, un gain de temps. Le ressenti des formations que je vais te citer dans les vidéos prochaines, c'est vraiment mon ressenti personnel, ce que ça m'a apporté ou non. Ça peut être totalement différent pour toi. Mais il est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un avant de pouvoir se lancer dans quelque chose, surtout quelque chose qui va être payant parfois. Je te laisse regarder les prochaines vidéos.